Je viens vous raconter mon histoire. L'histoire de ma vie. Et tout s'est passé dans cette armoire que voilà. Je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, on ne peut pas passer une vie entière cachée dans une armoire, n'est-ce pas? Eh bien, caché. C'est pourtant ce qui m'est arrivé. Je suis caché, à moitié flou, la tête coupée de trois quarts d'eau sur la photo. Caché, je suis caché, souvent derrière, souvent rentré, aussi agile qu'un haricot. Je m'entortille comme un asticot. Une moitié de moi seulement, mais le cœur plein jusqu'à ras-bord. De tourbillons, de bilvesées, non pas seulement que des sornettes, des sentiments alambiqués, et des klaxons, et des pouettes-pouettes. Caché! Ainsi donc, j'acceptais mon drôle de sort. Mais n'allez pas croire pour autant que ma vie fut terne et inintéressante. Elle avait mal commencé, j'étais enfermé, c'est sûr. Mais par la suite, il s'est passé tellement de choses. On part pour où tu veux. On court, on court tant que tu peux. On part pour où tu veux. On court, on court. On court, on court, on court tant que tu peux. On part, pour où tu veux. On court, on court tant que tu peux. Des livres, quantité de livres. Alors ainsi, j'écrivais. Je lisais, j'écrivais, je lisais, j'écrivais, encore et encore. Merci beaucoup pour ta lettre, elle nous a fait très plaisir à Milou et à moi. Pas vrai, Milou? Les années passèrent ainsi. Mes lettres, toutes ces lettres que j'envoyais aux quatre coins du monde, passèrent de main en main. Elles contenaient tout ce qui me passait par la tête. Mes colères, vous avez vu, mais aussi mes espoirs, mes doutes, mes joies, mes rêves. Ainsi, au fil des ans, j'appris par les autres et via cette petite boîte aux lettres que j'étais lue par des centaines de gens que je connaissais pas moi-même. Et à leurs yeux, j'étais écrivain. Je vous écris, madame, du fond de ma cachette, pour vous dire que mon âme, la pointe de mes cils, cheveux sur ma tête, mes lèvres imbéciles vous réclament, madame.